Donc, chambre 1506 à l'hôtel Omni, la recette. Moi, j'ai mis bulle 8, un sapin collé de face sur les volets. Même chose dans le fond. Ce que je me rends compte, ça aurait pu être de la 6-1. Mais bon, j'ai mis de la 8, ça fonctionne très bien. Il a fallu que je tasse la charnière un petit peu vers l'intérieur, comme ça. En haut et en bas, parce que sinon mon coupe-froid passait pas. Il allait arracher tout de suite, là, juste en, ici, là. Donc la bulle passait pas. Là, ça passe très bien. Puis avec la 8, ben ça me permet le différentiel qu'on a là. Donc ça, c'est super. Charnière Truth Enderberg 12 pouces. Il est large. Il y a un limiteur ici, j'ai remis le même. Il faudrait peut-être en avoir là avec nous, ça se commande si je ne me trompe pas. On a fait le joint thermo en bas, 3 pouces en remontant à chaque côté. Et puis, lubrifier. Dans ce cas-ci, j'avais. Ah, ben je pourrais sceller les cannelures un petit peu mieux que ça. Ouais. Donc je vais faire ça. Sceller le thermique, comme ça. J'ai agrandi les petits trous de rejet d'eau qui étaient même pas un 8, je pense. Et j'ai agrandi. Donc ça fonctionne bien. Voilà.